Salut toute population, et je dis à c'est avec un peu de plaisir nous retournons la caillou dans cadre émission circulation. Donc émission ça c'est une émission qui fait notamment pour capable former et informer population sur ensemble des décisions que direction circulation prend et tout pour éclaircissement pour un peu les amis chauffeurs nous qui des fois qu'on néglige en principe sous code de la route là. Eh bien, jodi a nou pral wè ensemble avec téléspectateurs et téléspectatrices yo et ça relé signalisation horizontale là. Donc signalisation horizontale là c'est qui ça lié. Généralement et sur route nationale yo nous toujours remarqué des lignes jaunes qui séparent chaussée a en deux. Et les jeunes ça yo des fois yo kon continue donc yo pas séparé yo aller tout droit des fois tout et les ça yo kon séparé donc yo kon couper bout sin kon a remarqué et ça sur route nationale yo et des fois tout ou kon remarqué nan un bord ou jeune et line li continue et dans l'autre bord où je n'ai et discontinue ou du moins où je n'ai coupé timoso. Donc ensemble avec nous aujourd'hui nous pour essayer comprendre qui importance ligne ça a gagné et l'air sous chaussée. Ligne ça yo l'air sous chaussée yo expliquer des bagages qui est capable comparer ensemble avec signalisation verticale qui capable comparer ensemble avec panneau qui soit obligé soit interdit de faire une bagaille sur voie publique là. Et si nous étions dans la ligne continue donc à chaque fois ou les machines nous ou river dans un espace côté ouais chaussée séparé soit avec un double ligne ou bien on les continue. Eh bien, lui explique clair que dans zone ça, côté où elle est, ça continue, ou pas gain droit doubler la donne. Ça veut dire ou pas gain droit même et monter caoutchouc machine nous sur les ça pour taper courir et comme ça t'as passé l'île en bas votre machine nous pour taper courir depuis là et de caoutchouc machine nous à gauche. De caoutchouc machine à droite, c'est comme si et ou t'a monté son cheval pendant ou a conduit machine. Donc, li très important pour respecter les continue sa yo, les ou même ou a conduit machine. Pour qui ça? Et les sa yo, yo toujours placé ou bien généralement yo toujours placé, c'est côté ou pral prend yon courbe. Se côté ou pral prend yon tête mon ça relé sommet des côtes là ou bien côté chaussée a li très rétréci donc li pas permettre deux machines et aller de façon parallèle côte à côte ou du moins les wap monter yon mon qui est vraiment dangereux ou bien l'wap prend pente qui capable et causer des dégâts ou bien qui capable faire des accidents graves les ou pral et doubler on l'autre machine la donne. C'est ça que fait et constructeur routier ingénieur civil yo prend un peu soin yo fait un peu calcul avant même yo placer ligne continue ça yo et nous qu'on remarqué ces derniers temps un peu chauffeur pas respecter les continues ça qui sur chaussée hein? Et malheureusement ça toujours et commettre un peu l'accident et qu'on baille des dégâts qui vraiment qu'on regrettable. Si nous avons remarqué Jean bus ça lui-même l'a quitté et les continuant pour la traverser pour la doubler en l'autre machine alors que mouvement la fait à la fait dans au courbe.
Donc si on l'autre machine a venu, li pa gen assez de visibilité et le sa collision fait en pile moun ka mouri. N'a voyé un gros coup de chapeau pour tout chauffeur qui respecte l'insayo et n'a demandé tout chauffeur qui pour respecter l'insayo pour apprendre à respecter l'insayo qui sous chaussée. L'insayo, c'est comme si on frontière taillé entre voie de droite et voie de gauche, donc pour aucune raison ou pas un droit traverser. Par contre, côté où est l'insayo, li discontinu, li séparé, eh bien, laisse ça, yo ba ou possibilité pour traverser, pour doubler, pour faire demi-tour, pour faire toute autre manœuvre que li continue, li même li était interdit pour faire. Donc, nous pensons que li était extrêmement important pour nous te parler de li continue et li discontinu sur la chaussée, parce que ces derniers temps, nous remarquons gagner un pile infraction qui commettent dans sens ça et infraction ça yo toujours gagner pour finalité c'est des accidents qui fait c'est des accidents très graves et n'a tout voyez message ça tout bail en série de chauffeurs qui kon gagner machine yo qui en panne et côté la panne c'est soit nan le pral prend un coup c'est soit le ou pral monte au monde côté qui pa gen visibilité et bien n'a mande chauffeur sa yo tant pris les machines yo en panne nan position sa yo prend toute disposition pour nous capable retirer yo parce que et ça déjà coûté la vie trop monde les machines yo en panne sur voie publique là et nous pas prendre disposition pour nous retirer attends ni nous pas mettre aucune balise qui capable permettre yon l'autre noue gagner une machine qui en panne et nous contrôler trop cadavre dans machine qui cap rentrer dans l'autre machine qui en panne dans motocyclette cap et pral doubler et que l'autre machine pas wè yo y a rentrer sous yo y a tué 2 3 4 moun à la seconde donc nous dit c'est trop passé ça c'est responsabilité chauffeur yo si gon machine qui en panne et que chauffeur a quitté le sous voie publique là. Par la suite, on moun vin accidenté dans machine ça, eh bien, à presque 80%, machine ça qui était en panne que met li pa prend pièce disposition pour te retirer sur chaussée, donc li vraiment responsable de accident ça qui rivé. Donc li extrêmement important pour nous te faire point ça parce que nous parler de ça déjà dans émission précédente mais nous remarquons que gagner des doléances qui viennent joindre nous dans niveau direction circulation et que côté toujours chauffeur yo pas jamais suspend et quitter machine yo sous côté route là et des fois côté un li vraiment difficile côté l'autre chauffeur yo pas gagne visibilité et souvent tout et nous qu'on remarquer des fois mon pas mettre rien pour baliser machine nan qui en panne. Donc et il était important pour nous de faire parler ça yo et suivant des doléances que nous joignent dans population hein, donc nous penser et n'a gagne pour nous présenter encore une autre émission donc monde qui t'a présenté l'émission ça c'est Luders Polius. À la prochaine. Pour former et informer population sur ensemble des décisions que direction circulation prend et tout porter éclaircissement pour un pilzan mes chauffeurs nous qui des fois qu'on néglige en principe sous code de la route là. Eh bien, jodi a nous pralouè ensemble avec téléspectateurs et téléspectatrices yo et ça relé signalisation horizontale là. Donc signalisation horizontale là c'est qui ça lié. Généralement et sur route nationale yo nous toujours remarquer des lignes jaunes qui séparent chaussée en deux. Et lignes jaunes ça yo des fois yo qu'on continue donc yo pas séparé, yo aller tout droit. Des fois tout et l'insayo yo kon séparé donc yo kon coupé
bout sin gon apou make e sa sou route nasyonal yo. E defwa tou ou kon remake nan un bò ou jwenn e lin nan li kontinu e nan un lòt bò ou jwenn li e diskontinu ou di mwen sou jwenn li koupe timoso. Donc ensemble avec nous jodi an nou pral essayer comprendre ki importans lin sa yo genyen e lè yo sou chose a. Lin sa yo lè yo sou chose a, yo explike de bagay ki e kapab kompare ensemble avec signalisation verticale, ki kapab kompare ensemble avec panneau ki soit oblige ou soit interdit ou fè yon bagay sou voie publique la. E si nou rete nan lin continue, donc à chaque fois ou les machines nous ou rive nan ou espace kote ou wè chaussée séparé soit avec un double ligne ou bien on li continue, et bien li explique clair que nan zone sa kote ou wè ligne sa continue ou pa gen droit doubler la dan. Ça veut dire ou pa gen droit même et monter caoutchouc machine nous sur les ça pour t'ap courir et comme ça t'as passé les en bas votre machine nous pour t'ap courir depuis là et de caoutchouc machine à gauche de caoutchouc machine à droite c'est comme si et ou t'as monté son cheval pendant ou a conduit machine nous donc li très important pour respecter les continues ça yo les ou même ou a conduit machine. Pour qui ça? Et les sa yo, yo toujours placé, ou bien généralement yo toujours placé, c'est côté ou pral pran yon koub, c'est côté ou pral pran yon tèt moun, sa yo le soumet de kote la, ou bien côté chose ya li très rétréci. Donc li pa permettre de machine et aller de façon parallèle côte à côte ou du moins les wap monter yon moun ki est vraiment dangereux ou bien wap pran pente ki capable et causer des dégâts ou bien ki capable faire des accidents graves les ou pral et doubler on l'autre machine la dan. C'est ça que fait et constructeur routier ingénieur civil yo prend un peu le soin yo fait un peu le calcul avant même yo placer ligne continue ça yo et nous qu'on remarqué ces derniers temps un peu le chauffeur pas respecter ligne continue ça yo qui sur chaussée hein? Et malheureusement ça toujours et commettre un peu l'accident et yo konn bay des dégâts qui vraiment konn regrettable. Si nous a remarqué Jean bus ça lui-même l'a quitté et les continuant pour la traverser pour la doubler en l'autre machine alors que mouvement l'a fait à la fell nan au courbe. Donc si on l'autre machine a venir, li pa gen assez de visibilité et le sa collision fait en pile moun ka mouri. N'a voyé un gros coup de chapeau pour tout chauffeur qui respecte les yo et n'a demandé tout chauffeur qui pour respecter les yo pour apprendre à respecter les qui sous chaussée yo. Les ça c'est comme si on frontière d'aille entre voie de droite et voie de gauche donc pour aucune raison ou pas gain droit traverser. Par contre, côté où est l'île, li discontinue, li séparé, eh bien, laisse ça, yo ba ou possibilité pour traverser, pour doubler, pour faire demi-tour, pour faire toute autre manœuvre que l'île continue, lui-même, li était interdit pour faire. Donc, nous pensons que l'était extrêmement important pour nous te parler de ligne continue et ligne discontinue sur la chaussée parce que ces derniers temps nous remarquons gagner un pile infraction qui commettent dans sens ça
et infraction ça yo toujours gagné pour finalité c'est des accidents qui fait c'est des accidents très graves et n'a tout voyé message ça tout bay en série de chauffeurs qui kon gagné machine yo qui en panne et côté la panne c'est soit nan le pral prend un courbe c'est soit les ou pral monter au monde côté qui pa gen visibilité et bien n'a mande chauffeur sa yo tan pri les machines yo en panne nan position sa yo prend toute disposition pour nous capable retirer yo parce que et ça déjà coûter la vie trop monde les machines yo en panne sur voie publique là et nous pas prendre disposition pour nous retirer à temps ni nous pas mettre aucune balise qui capable permettre yon l'autre noué gagner une machine qui en panne et nous contrôler trop cadavre dans machine qui a rentré dans l'autre machine qui en panne dans motocyclette cap et pral doubler et que l'autre machine pa wè yo y a rentré sou yo y a touye 2 3 4 moun à la seconde donc nous dit c'est trop passé ça c'est responsabilité chauffeur yo si gon machine qui en panne et que chauffeur a quitté le sur voie publique là par la suite on moun vin accidenté dans machine ça et bien à presque 80% machine ça qui était en panne que mettre des pattes prendre pièce disposition pour te retirer sur chaussée donc li vraiment responsable de accident ça qui arrivé donc li extrêmement important pour nous te faire point ça parce que nous parler de ça déjà dans émission précédente yo mais nous remarquer que gagner des doléances qui viennent joindre nous dans niveau direction circulation et que côté toujours chauffeur yo pas jamais suspend et quitter machine yo sous côté route là et des fois côté un vraiment difficile côté l'autre chauffeur yo pas gain visibilité et souvent tout et nous qu'on remarquer des fois mon nan pas mettre rien pour baliser machine nan qui en panne nan. Donc et il était important pour nous de faire parler ça yo et suivant des doléances que nous joignent dans population hein, donc nous penser et n'a gain pour nous présenter encore une autre émission donc monde qui t'a présenté émission ça c'est Luders Polius à la prochaine.